je vais faire présent, je vais mettre l'Esprit de Dieu au bout de porte des écureuils, c'est-à-dire dans leur camp, comme défenseur. Peut-être il peut y avoir, le coach peut faire erreur de défensive. Alors, je fortifie, je dis bien je fortifie leur camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils vont tourner. Je vais les faire autre camp là-bas. Alléluia. Leurs opposants ne veulent plus trouver leur camp. Le camp des écureuils, non. Le camp des murs de Timothée, non. Je vais les faire autre camp là-bas. Qui ne serait pas compté. Et ça va partir en air. Ça va partir encore. Et ça va partir. Alléluia. Et quand on écureuil, ils vont marquer. Seigneur. Allez. Alors, écureuil, à tout à l'heure. Et je tiens moi mon promesse. Moi j'ai la foi et j'ai le don de l'équesse. Je peux toutefois venir même au terrain et vous fortifier. Alors, lion de tribu de Juda écureuil, il ne faut pas avoir peur. Vous avez un petit David au Bénin qui ne se dit pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais c'est Dieu qui est à moi. L'Esprit de Dieu est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a rempli. Et je prie par la bouche du Saint-Esprit de Dieu. Et la fois dernière, quand l'écureuil jouait, je dansais parce que l'écureuil louait l'éternel Dieu. Il louait, il chantait le nom de Jésus. J'ai dit, quoi ça? Écureuil, en train de chanter le nom de Jésus, alors ils ont entendu mes prières. C'est que écureuil ne serait plus écureuil, c'est le lion de tribu de Juda. Ils iront de victoire en victoire. Même si écureuil était mort, il était en échec. Ils vont venir à la victoire.